tapis. Ah mais c'était chouette cette balade. Non. C'est peut-être pour ça que j'ai rarement... Star. Mais ouais, une couche tard. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai rarement vu du pommier. Parce que ce sont des fleurs qui se... Alors, le réchauffement de la planète, on sait que c'est d'actualité. Eh bien, figure-toi qu'ils ont fait des serres expérimentales et dedans, eh bien, ils adaptent des plantes justement à ce changement climatique. Observer les plantes, voir comment elles réagissent à ce climat qui change, et tout cela dans une perspective de 20 à 30 ans, nous allons faire de belles découvertes. Et puis alors, nous irons à la faisanderie de Chantilly qui appartenait au prince de Condé. Et qui est devenu un lieu de culture, un lieu de curiosité. Il y a là des fleurs, des légumes, c'est un potager, le potager des princes, des arbres séculaires et des poules funambules. Waouh, belle balade. Notre invité aujourd'hui, c'est un botaniste. Il s'appelle Romaric Perrochon. Et Carole. Alors derrière sa maison, elle a un mur assez pentu avec de la pierre de Volvic. Et bien sûr, Stéphane va déminéraliser tout ça. Le voici devant Vercingétorix, un nom de rue pour un hommage. C'est cela, il est en Auvergne. C'est encore tôt le matin et il fait déjà bien chaud. Il est temps d'aller se mettre à l'ombre chez Carole, mais pas pour y rester les bras croisés. Carole! Bonjour Stéphane! Ça va? Bienvenue! Alors, où est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Ça va être juste derrière. Parfait! À l'ombre! À l'ombre, ça c'est une bonne idée. Donc ça se passe ici, dans cet espace. Ah! C'est marrant, c'est tout ouvert partout, puis là, c'est tout fermé. C'est ça, c'est tout gris, c'est tout triste. Mais et alors... pourtant, c'est très pratique parce que c'est à l'ombre. Très agréable pour lire, pour manger à midi et le soir, surtout... pour maintenir la terre, donc on a fait... ce mur, et puis il y a une maison aussi derrière, donc le lilas est aussi pratique pour... C'est le puits canadien est là et un peu évident. Si on pouvait le cacher aussi, parce que c'est pas... C'est très présent, oui. Voilà. Là, je vois des cailloux derrière, là. Oui, enfin, il y a des cailloux, il y a des pierres de Volvic, donc des pierres de la région. Elles sont assez imposantes, gris foncé, presque noir. D'accord. Mais qui sont au milieu un peu de cette friche, laissée un peu à l'abandon. Ce serait peut-être bien de voir ce qu'on peut faire avec, parce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? De quoi pourrions-nous avoir envie, ici? Alors ici, ce qui me manque le plus, c'est de la couleur. Je trouve cet endroit triste, bien, mais triste. Après, ce coin-là, qui est un peu laissé à l'abandon, je ne sais pas trop quoi en faire. Ouais. Donc voilà, couleur. Les trucs aujourd'hui. Et puis, ben oui, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Déminer, mon miné, réaliser le tout en couleur. Il n'y a plus qu'à faire un dessin. On va commencer par faire un petit peu le ménage dans les lilas. Couper ce qui nous semble le plus vieux et le plus abîmé, de façon à redonner un peu de place et d'énergie aux branches jeunes. Ensuite, j'aimerais qu'on essaye de prendre les pierres de Volvic et qu'on les enfonce à moitié dans le sol de manière à retenir la pente. Ensuite, on va pouvoir planter quelques abélias, des arbustes, des arbrisseaux, pour ponctuer toute cette longueur dans l'intervalle entre la pente et le mur. D'accord. Et dans l'intervalle de ces arbrisseaux, on va pouvoir installer des pots de couleur. Ici, ce sont des pots bas. Dans ces pots-là, on va apporter les fleurs dont tu as envie. Bon, déjà là, c'est en place. Derrière, j'aimerais planter un arbre. Un petit arbre. Un sophora japonica, par exemple, enfin quelque chose d'assez graphique. Et puis autour de ça, je pense qu'on va organiser un tout petit peu les pierres noires, s'il en reste. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Oui. Voilà. Donc entre gravier blanc et pierre noire, on devrait avoir quelque chose d'assez contrasté, d'assez graphique. Ici, l'enrochement, il faut démarrer quelque chose. On va pouvoir démarrer en plantant quelques sédums.
Il y en a plusieurs couleurs. Oui, c'est des plantes un peu grasses qui sont là, parce que vu l'exposition au vent et à la chaleur, il ne faut pas attendre de miracles, d'autres choses. Mais c'est assez miraculeux comme plante, ici. On va reprendre les couleurs de nos pots qui sont là. Et dans cette série de pots-là, on va mettre trois hydrangeas paniculata et des plantes tout autour. Des plantes qui vont supporter d'être à mi-ombre, comme ça. D'accord. Ici, là, il y a un trou, ça va pas du tout. Avec un mur. Avec un mur. Donc, un gros pot. Dans ce pot-là, on va mettre un ligustrum texanum en nuage. Poum, poum, poum. Parfait. Voilà, je crois que là, le décor est planté. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être magnifique. Il n'y a plus qu'à. Parfait. Parfait. On est prêt. Il y aura une séance de défrichage, du labeur, du labour, un cours d'archéologie, puis une leçon de maçonnerie. Des pots très colorés, c'est la moindre des choses, des nappes de gravier blanc et toute une foule de plantes. Avant le mot de la fin. Vous êtes de sacrés magiciens quand même. Hein. Ça n'a plus rien à voir là. Ça ressemble à la cerise, mais cela n'est pas une cerise, c'est une petite pomme. Une pomme ? Ce sont des petites pommes, parce que vois-tu, cet arbre-là, c'est un malus. Mmh. Malus, ça veut dire pommier. Et il y a des formes de malus décoratifs, comme celui-ci, qui s'appelle White Angel, l'ange blanc. White Angel. Et ça fait un peu catch. Yeah. Yeah. Et donc voilà, ici sur ce trottoir de la maison, j'ai planté une série d'arbres comme ça, ce trottoir qui était désespérément nu, sans soleil, parce qu'on est au nord ici, j'ai planté une série d'arbres et d'arbustes. Alors certains sont compacts comme les buis, d'autres sont des arbres nanifiés, comme ce frêne, comme le chêne un peu plus loin, et puis l'an passé, j'ai planté cette aubépine-là. Qui a presque les mêmes fruits. Oui, oui, qui offre des fruits rouges à l'automne, des jolies fleurs au printemps, comme lui, et surtout qui est grimpé sur une tige. Ah, qui a été greffé ici. Là, il y a un pied sur lequel le pommier White Angel a été greffé. Et l'intérêt de cela, c'est que ce pommier, qui est une obtention américaine, dans la nature, il peut mesurer 6 mètres de hauteur. Il est bien entendu que dans ce pot, il n'est pas question qu'il devienne aussi grand. Donc l'idée, c'est de planter cet arbre-là dans ce pot afin qu'il aille rejoindre le cratère Agus et ses copains. Bon, super. Donc nous avons préparé un mélange de terreau et de compost. Moitié terreau, moitié compost, et puis un peu de terre de jardin en plus pour donner un peu de corps à tout ça. Et nous avons rajouté à cela cette chose, un fertilisant. Bah, c'est du crottin de cheval, mais qui a subi un traitement. Ah, manière ça sent un peu. À peine, hein. De manière à ce qu'il soit très nourrissant sans pour autant brûler les plantes. Donc on y va, je te laisse finir de verser genre, ça. Mets tout, la totalité. Oui, je pense que ça va aller. Moi, pour ma part, je vais commencer à mettre de la terre dans ce pot. Je le dépote, puis s'il pas encore. S'il te plaît. Il a sa jolie petite étiquette, Malus White Angel. Angel. J'aime bien ce nom, White Angel. Je sais pas pourquoi White Angel, parce qu'il a des fruits rouges. Oui, les fruits sont rouges, certes, mais lorsque le pommier fait ses feuilles, elles sont très pâles, elles deviennent plus foncées ensuite. Les boutons de la fleur sont roses, et ensuite la fleur, en s'épanouissant, devient toute blanche. Doux. 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 Le White, White Angel. Angel. Voilà, tu peux le mettre en place. Est-ce que je le... Oui, alors attends, regarde s'il est, ça chignonne pas un tout petit peu. Hop. Tu peux mettre en place. Là, au centre. Oui, au centre. Et là, tu le maintiens droit, s'il te plaît. Juste à côté de toi, il y a des bulbes. Tu veux quoi? Je voudrais un paquet de tulipes, un paquet de crocus, on mélange tout ça autour du pot. D'accord. Voilà. Comme ça. Ce qui est bien, c'est que ces bulbes-là, dans le pot, ils vont pouvoir rester... en place plusieurs années, les tulipes vont fleurir chaque année sans risquer d'être mangées par les mulots. Attends, non. Je vais remettre un peu de terre parce que les crocus sont plus petits. Ah, il faut les mettre plus haut. Voilà, moins profond. D'accord. Voilà. Là, c'est bon ? Ouais. Hop, cours. Par contre, tu les mets la pointe en haut. Hein. Et l'intérêt, c'est d'avoir des crocus qui vont apparaître en février, des tulipes qui vont apparaître en mars-avril. Ah, un pommier qui va fleurir au mois de mai et qui en plus portera des fruits rouges très décoratifs au mois d'octobre. Donc ça sera tout le temps fleuri, toute voilà. L'année. Un petit peu de terre encore. Là, du paillis. Le paillis, c'est bien. Ouais, ça évitera d'arroser trop souvent. Et puis un petit arrosage là-dessus. Oh l'eau, c'est lourd. Ah, bah, hein. Oui. Forcément.
Le seul soin consistera à tailler, pas cette année parce que là il est tout petit, mais à tailler au mois de mars de manière à compacter la ramure et qu'il ne prenne pas trop d'envergure et qu'il concentre sa floraison et sa fructification de façon à rester décoratif. Eh bien, moi, j'en ai fini avec ce Malus White Angel. Bon, quelle heure est-il ? Tu crois qu'on a le temps d'aller voir des hippomées ? En faisant vite. Oui, parce que ce sont des fleurs qui se réveillent le matin et se couchent en fin d'après-midi, alors on se dépêche. Les hippomées, actuellement, sont en train de s'ouvrir. On en aperçoit quelques-unes, voilà, elles sont en train de se dévriller. Donc là, elles commencent à se réveiller avec la chaleur, avec la luminosité. Celles-ci sont un petit peu plus précoces, elles ont commencé un peu plus tôt. Elles naissent le matin et malheureusement, elles meurent le soir, voire en début d'après-midi. Ça dépend, si on a une journée, une belle journée d'été, bien ensoleillée très tôt, en début d'après-midi, généralement, elles sont déjà fermées. Une fleur dure une journée. Celle-ci est en train d'arriver. Celle-ci, ce sera sans doute peut-être plutôt celle de demain, parce que la vrille est quand même très fermée. Et celle-ci, ce sera pour dans 2-3 jours. C'est des gloires du matin. En anglais, morning glory. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc si on a des hippomées, il faut se lever de bonne heure. Moi, je suis une lève-tôt, donc on a le même rythme biologique, donc tout va bien. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une seule fleur qui a les mêmes stries qu'une autre. Et vous savez, celle-ci, qui est vraiment complètement, complètement différente. C'est une hippomée purpurea, il me semble qu'elle s'appelle Festival de Venise. Voilà, donc voilà, celle-ci encore assez différente. Vraiment très sympa. L'hippomée, ce qu'on appelle le volubilis, c'est la plus simple à faire pousser, la plus florifère aussi, et qui a des couleurs magnifiques. L'hippomée alba. Donc elle, sa particularité, c'est de s'ouvrir en fin de journée, aux alentours de 19-20 heures, et de se refermer le matin. Quand elle s'ouvre en flash. C'est-à-dire que les autres hippomées vont s'ouvrir tout doucement, progressivement. Elle, elle donne un tour de vrille et d'un seul coup, elle lâche les 5 pétales d'un seul coup. Donc on a un gros truc blanc qui s'ouvre. Non, non, elle est vraiment très, très sympa. Et son nom français, c'est fleur de lune. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. L'hippomée fait partie de la famille des convolvulacées. Donc convolvulacées, c'est toujours un mot qui paraît un peu compliqué. En fin de compte, ça vient du latin convolvere, s'enrouler. Parce que le genre principal dans cette famille, c'est l'hippomée et c'est plutôt une liane. Le liseron fait partie des convolvulacées. Mais elle a une renommée de fleur sauvage et plutôt un comportement désagréable. Donc voilà, le liseron, Calistegia, qui s'est invité dans la collection, à côté d'Hippomée purpurea. Ils font partie de la même famille. Donc automatiquement, il y a des points communs. Et le point commun, c'est toujours 5 pétales soudés avec une fleur en forme d'entonnoir. Donc on retrouve bien l'entonnoir. Cette famille est connue et mal connue en même temps. Elle est connue depuis très longtemps, parce qu'on s'en servait en médecine traditionnelle. Mais elle a toujours cette réputation de mauvaise herbe. Donc automatiquement, on la combat. On l'arrache, donc c'est pour ça qu'il y a déjà des convolvulacées en voie de disparition. Elles sont toutes des plantes invasives, mais invasives dans leur pays d'origine. En plus, c'est pas vraiment incontrôlable. Bon, c'est vrai que notre liseron, on a cette image, mais parce que lui se multiplie par rhizome, donc ça se passe dans la terre, on contrôle pas, ni rien, enfin, c'est un peu compliqué. Mais si vous mettez du volubilis dans votre jardin, vous n'allez pas en avoir dans tout le jardin. Au pire, vous allez en avoir sur quelques mètres tout autour. Mais là, c'est pareil, la dispersion est par graines. Ben, il vous suffit de récolter les graines pour pas qu'il y en ait partout. Alors là, c'est un autre genre de convolvulacée. Dans les convolvulacées, c'est un Stictocardia beraviensis, originaire d'Afrique du Sud. Donc il a vraiment des couleurs flamboyantes. Vous voyez, le bouton est superbe. Donc elle, c'est une plante qui est pollinisée par les oiseaux nectarivores. D'ailleurs, on peut voir, son bouton ressemble un peu à un bec d'oiseau. Et à l'intérieur de cette fleur, vous avez une petite goutte de nectar complètement dans le fond. L'oiseau, en venant chercher ce nectar et en allant de fleur en fleur, pollinise la plante. Donc quand ma plante est en extérieur, généralement, j'ai 2-3 fruits qui se forment, parce que nous avons même en région parisienne des oiseaux nectarivores. Alors là, si on devait la dénouer, c'est des mètres et des mètres. Hein. Là, elle doit atteindre 8 ou 9 mètres. Hein. Là, elle est stoppée par le socle, donc elle retombe et elle se remet sur elle. Et là, si on devait toute la détendre, elle est vraiment très, très grande. Dans les convolvulacées, à l'état naturel, il y a 56 genres et 1800 espèces. Dans la collection, ça se partage en deux. Un côté ornemental qui est principalement assuré par les plantes annuelles, qui elles fleurissent abondamment, et un côté botanique qui est plutôt assuré par des plantes vivaces, mais vivaces en serre. Ça, c'est une hippomée. Donc justement, par rapport aux idées reçues qu'une hippomée pouvait être qu'une liane, et bien là, nous avons un arbre. Alors celle-ci, elle est arrivée au début de la collection, celle-ci a 18 ans. 18 ans de culture.
avec toutes les misères qui peuvent arriver dans une serre. Donc elle a bien résisté, on a eu très peur l'année dernière, elle avait attrapé une maladie cryptogamie, donc un champignon. Et puis ça y est, cette année c'est parti, elle a évacué, elle a bien réagi. Donc ben, on espère qu'elle va encore durer une dizaine d'années, voire plus même. Ce qui me plaît dans les convolvulacées, c'est ce côté exubérant. Voilà, donc on part d'une toute petite graine et quelques mois après, on se retrouve avec une plante qui peut faire 10 mètres de haut. C'est aussi le côté discret. C'est quand même une fleur qui ne dure qu'une journée. Donc elle est là, mais vite elle s'en va. Et puis c'est aussi le côté, les différences qu'il y a entre elles. Voilà. Ça peut être une liane qui peut être gigantesque, comme ça peut être un petit codex, ça peut être quelque chose de très fragile. Elle peut être à la fois très costaud et très fragile en même temps. Donc ça, je trouve que c'est assez passionnant aussi. Pas mal d'haricots là. Bon, écoute, il restait un rang parce que nous avons récolté les autres il y a déjà quelques semaines. Mmh. Il était temps de les récolter parce que vois-tu, ils auraient fini par moisir, commencer à s'ouvrir, éventuellement tomber au sol comme celui-là. Oui. Et tu vois, nous les avons coupés. Mmh. Nous ne les avons pas arrachés. Ouais. Et ça, c'est important. Ben oui, c'est important, parce qu'en fait, les haricots sont des légumineuses qui ont la capacité de synthétiser l'azote qui est dans l'air. Et l'azote, c'est un engrais pour la terre. Elles le stockent dans des nodules, c'est des petites billes comme ça, qui sont des petites capsules qui sont le long des racines. Et en se décomposant dans le sol, eh bien, c'est de l'engrais qui restera et qui sera restitué au sol. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ces haricots sont des haricots secs, des haricots comme celui-là. Et donc, nous allons pouvoir les conserver. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode pourrait consister à prendre l'écosse, comme ça, à les ouvrir, et puis à les mettre ensuite... Dans le petit pot qui est entre nous. Et puis ensuite, mettre verser tout ça. Tu me dis, ça devrait être comme ça, ça veut dire, c'est pas comme ça qu'on va faire ? Parce que c'est fastidieux. Ah ! Alors, et alors, t'as une meilleure méthode. Alors donc, tu les mets dans les sacs de congélation, et puis tu mets ça au congélateur, ouais. Et puis tu les sors quand t'as besoin de les manger. Oui. L'avantage de ça, parce qu'il y a un avantage, c'est qu'ils sont demi-frais, là, pour le moment. Oui. Donc, t'en as pas besoin de les faire tremper pour les ramollir avant de les cuire. Ouais. Donc, tu les sors du congèle, une demi-heure après, ils sont cuits. Et ça, c'est formidable. C'est génial. Sinon, beaucoup plus simple, nous les prenons, nous les attachons par petits bouquets à du raffia, de cette façon-là. Ouais. Et après, tu fais le clou dans l'atelier. Voilà. Voilà. Donc, tu fais le clou pendant 15 jours. Et là, une fois que c'est dans l'atelier... Il faut sourire. Et lorsque c'est sec, tu les mets dans un sac en toile de jute. Comme ça. Hop. Bah là, ça va jamais rentrer parce que j'ai pris une grosse grappe. Non, et puis ils sont pas secs. Et puis ensuite, ils sont secs, là. Ils sont vraiment secs, tu te rends compte? Oui. Tu les bats. Attends, tu les écrases, là, comme ça? Oh non! Bien sûr que non! Vois-tu, le haricot, il est dur. Il est dur, le haricot. Donc voilà, ensuite, tu les mets avec une feuille de laurier dans un bocal, le laurier faisant fuir le charançon, les petits insectes qui vont dedans. Et tu peux manger ça tout l'hiver, à ta guise, à condition de les faire tremper 6 heures ou 12 heures dans l'eau, bien entendu, pour les assouplir. 6 ou 12 heures en fonction de la grosseur du haricot. À toi! Alors... Tu sais qu'il y a un changement climatique, hein. C'est un peu la préoccupation majeure en ce moment. On a créé des serres pour voir comment les plantes justement s'adapteront peut-être à ce changement climatique. La chaleur du soleil, le manque de pluie, l'assèchement des sols et des cultures, une constatation devenue récurrente depuis quelques années. Les grands moyens sont donc déployés pour identifier les variétés résistantes à la hausse du mercure. Alors là, on est sur un dispositif vraiment unique au monde, de par sa surface et sa technologie. Donc on teste des nouveautés et ce prototype a une surface assez importante pour pouvoir accueillir plus de 300 variétés. Le fait que les parapluies viennent couvrir la culture, on crée la sécheresse à un moment donné et après, avec un système d'irrigation, on vient apporter de l'eau par petite période ou alors pas du tout pendant une grande période. Donc on apporte à la plante la moitié de ce dont elle a besoin. Comme ça, on la met dans des conditions stressantes qui seront les conditions qu'on aura d'ici 20-30 ans. Donc là, on est sur une zone qui n'a pas eu d'eau depuis le mois de mai. On a des formes de retrait ici.
Et puis du maïs qui souffre de la sécheresse avec du coup des feuilles toutes petites et toutes flétries. Si jamais on n'arrive pas à trouver des variétés qui soient plus adaptées et qui arrivent à mieux valoriser l'eau du sol et le peu d'eau qui arrive quand même du ciel pour pouvoir construire un rendement efficace, en fait, on n'arrivera pas à continuer à produire dans des conditions de changement climatique. Donc il est urgent de trouver des variétés et d'adapter les variétés à ce changement climatique. Donc ici, en fait, on a effectivement des variétés qui sont différentes et qui ont du coup des comportements différents par rapport à l'eau. Et c'est ce qu'on peut comparer avec les plantes plutôt cigales ou les plantes plutôt fourmis. Donc c'est des stratégies différentes, soit des plantes qui maintiennent leur face étalée et donc du coup qui captent la lumière du soleil, soit des variétés qui vont complètement s'enrouler, mais là elles ne font plus de photosynthèse, mais par contre elles consomment moins d'eau. Donc il faut qu'elles trouvent le bon équilibre et nous il faut qu'on trouve les variétés qui aient le bon équilibre pour pouvoir proposer aux agriculteurs des variétés adaptées. Au laboratoire d'écophysiologie des plantes de Montpellier, la recherche de variétés résistantes est une course contre la montre. Ici, c'est les serres d'expérimentation. On va regarder la sensibilité des plantes aux hautes températures et à la sécheresse. En bref, tout ce qui tourne autour du dérèglement climatique. Où on va tester différentes variétés de plantes et regarder chacune leur sensibilité et pouvoir les comparer. Ça va Myriam ? La manip là ? Ça va, regarde, les plantes sont super jolies. Ouais, non, mais même ça marche bien la tomate, je pensais pas autant. Ah ouais, ça marche bien, surtout qu'elles ont un éclairage qui est pas très très fort. La tomate pour nous, c'est un peu nouveau. C'est jusqu'à maintenant, on a travaillé sur des plantes de laboratoire. Et maintenant, on passe sur la tomate, puisque la tomate, c'est une plante d'intérêt agronomique. Et donc, on expérimente avec des tomates que l'on trouve dans le commerce, mais d'autres aussi, d'autres tomates, pour comprendre, en fonction du stress hydrique, comment se passe la croissance de la tomate au niveau de la division cellulaire. Le dérèglement climatique, il faut imaginer que ce n'est pas quelque chose de futur, c'est déjà quelque chose d'actuel. On a déjà eu des épisodes de sécheresse qui se multiplient, des épisodes de haute température. Et donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille dessus, sur l'amélioration variétale, en conditions de sécheresse et haute température, en réponse au dérèglement climatique. Donc ici, on a différentes variétés. On a mis différentes conditions de sécheresse. Et on va regarder chaque 3 minutes quel est le comportement de la croissance. Avec une augmentation de plus de 2 degrés au pied des ceps, la vigne subit de plein fouet le dérèglement climatique. La température des différents cépages est analysée pour déterminer les variétés qui sauront résister aux prochaines grosses chaleurs. Sensible au climat, notre vin pourrait aussi opérer un véritable changement. C'est la sécheresse qui va en particulier affecter la viticulture, en particulier parce que en France, les vignobles ne sont pas irrigués. Et donc ce qui est important pour une plante comme la vigne, ça va être de réussir quand même à économiser l'eau d'une certaine façon pour pas complètement se dessécher quand il n'y a plus d'eau dans le sol. Ça en fait c'est ce qu'on appelle donc, le système open top. Et donc en gros on met donc deux panneaux de chaque côté du pied de vigne. Il y a un peu un système d'air plus chaud qui remonte et qui vient réchauffer en fait la zone de la grappe. Donc les baies de raisin. Ça nous permet de simuler une élévation de la température en fait. Donc nous, c'est en fait ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est quel serait l'impact d'une élévation de la température et du rayonnement sur la composition finale de la baie de raisin en fait. Ce réchauffement climatique, là, les températures, elles vont impacter aussi la qualité du vin. La qualité du vin, ça passe par la composition du raisin. Alors si on regarde un grain de raisin par exemple, pendant la maturation, il va accumuler le sucre qui donnera l'alcool dans le vin. Et il va diminuer en acidité et donc c'est l'accumulation de ces différents composés qui est impactée par le réchauffement, par la hausse des températures et qui donc peut altérer la qualité du vin à terme. Ça ne veut pas dire que le changement climatique il va donner des vins moins bons, donc ce sera forcément des vins qui seront différents, mais justement en fait nous on veut en fait comprendre ce que le changement climatique va faire au niveau de la baie de raisin et adapter les techniques pour éviter justement que les vins diffèrent trop de ceux qu'on a actuellement en fait.
L'enjeu d'adapter un viticulteur il est très fort pour la France, puisque la production de vin est une des premières du pays. Donc on a besoin de comprendre comment on peut s'adapter. Alors on peut s'adapter à court terme en revoyant les pratiques, en expliquant aux viticulteurs qu'il faut enlever telle feuille, garder des feuilles autour des baies pour que les baies soient moins chaudes. Mais il y a aussi une facette plutôt adaptation à long terme. Et là, ça va être trouver des variétés plus adaptées, surtout pour la partie économie de l'eau. Ou alors, pourquoi pas même créer des nouvelles variétés qui seront plus adaptées avec les nouveaux climats qui vont un petit peu redessiner la carte des régions au niveau des cépages. Alors là, aujourd'hui, on va parler de la Salvia involucrata. C'est la plante de la semaine, c'est une labiacée. C'est une sauge, c'est la sauge du Mexique, puisqu'elle est originaire du Mexique. Alors cette plante-là, vois-tu, elle a des teintes de feuilles formidables, elle a des tiges un peu rouges, elle a surtout des fleurs qui apparaissent normalement de juillet à octobre. Ah bah, on est en novembre. Bah oui, parce que je l'ai plantée cette année, donc elle a mis du temps à démarrer, et là, elle est un peu tardive, mais en même temps, nous sommes contents de la retrouver maintenant. Et alors, ce rose, le rose de ces fleurs est absolument incroyable. Donc c'est une plante vivace, qui va se plaire plein soleil, qui va aimer les sols neutres, riches en humus et frais. Ce qui est étonnant pour une sauge, parce que les sauges, généralement, sont des plantes de sol drainé. Ah ben, j'allais le dire. Ah ben, n'est-ce pas ? Incroyable. Oui, les sauges. Et donc, si nous voulons la conserver, elle est résistante à moins 5 degrés. Nous devrons la pailler pour qu'elle passe l'hiver et nous la retrouverons encore plus vigoureuse et fleurissant plus tôt l'année prochaine. Est-ce qu'elle se plairait au potager des princes à Chantilly ? Il y fait plus froid qu'ici, je pense qu'il faudrait la rentrer en hiver. Bon, ben, écoute, on va quand même y aller. Allez, on prend la direction de l'ancienne faisanderie des princes de Condé à Chantilly pour découvrir justement ce potager. L'ancienne faisanderie du château de Chantilly, construite pour le prince de Condé au XVIIe siècle, fut ornée de jardins créés par Le Nôtre. Un siècle plus tard, elle était transformée en pavillon romain et habillée de treillage. Après de nombreuses péripéties, le lieu échappe aux promoteurs pour devenir en l'an 2000 le potager des princes. Ce qui est formidable, c'est d'avoir cette faisanderie et d'avoir ces terrasses quand même qui structurent l'espace avec derrière un petit canal et puis au fond le grand canal de Chantilly. Oui. Parce que le château, il est juste là, sur notre droite. Et en fait, le véritable potager du château de Chantilly était tout autour, mais tout est construit aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de potager ici, mais au XVIIe siècle et au XVIIIe, tout était jardin. Tout Chantilly appartenait au prince et était jardin. Mais il n'y avait pas de mur, tout était ouvert. Et vous avez tout d'un coup l'idée de créer un potager dans cet endroit. Après tout, c'est tout à fait légitime, ces terrasses au soleil. Et la terre n'est pas forcément faite pour ça. Elle n'est pas du tout faite pour ça, parce qu'elle est calcaire. Alors on a des difficultés et il faut s'adapter à la terre et non adapter ses projets. Je pense que la sagesse du jardinier, c'est s'adapter à la terre. Absolument, oui. Donc on étaille, on tâtonne et on essaye de faire un potager fleuri comme à l'époque, puisque les potagers servaient aussi bien aux légumes qu'aux fleurs pour fleurir les pièces. Vous avez trois passions, en fait. Le cheval, vous avez créé le musée du cheval. Oui. Les volailles, enfin les basses-cours. Oui. Oui. Et puis il y a le potager tout de même, parce que ça vous parle. Oui, tout revient à l'enfance. Bon, moi, j'étais en pension pendant la guerre, on avait faim à la campagne. Mes parents m'ont donné un potager dès mon plus jeune âge. Je faisais mon argent de poche en élevant des lapins et des poules. Puis j'ai eu un accident à 50 cheval. Donc j'ai créé le plus grand musée du cheval du monde à Chantilly, plus grande basse-cour du monde en Normandie, à Lisieux. Et là, je crée un potager. Et ensuite, quand on a un beau lieu, moi, je ne le garderai pas pour moi parce que je me sentirais mal moralement. Mais j'ai toujours créé que par inspiration. J'ai toujours fait à l'instinct. Plus qu'un potager fleuri, le parc accueille quelques belles fabriques dans l'esprit du pavillon romain et un éventail d'animaux domestiques comme sortis d'une ferme d'exception qui donnent à la visite une tournure inattendue. Dans ce jardin paysager, dans cette partie 19e, vous avez eu le goût d'installer des fabriques et pas des moindres. Oui, j'ai d'abord créé ce théâtre qui est très beau.
Jacques Weber a dit que pour lui, c'est le plus beau théâtre romantique qu'il connaisse, c'est que quand on est acteur, on se demande si le public vient pour l'acteur ou pour le cadre. Ça, c'est un grand compliment d'un grand acteur. Là, j'ai créé une guinguette, toujours en treillage, pour que ça se fonde dans la nature. Et donc, après, il y a ces beaux arbres qui exigent beaucoup de travail. Et en fait, c'est un endroit où vous invitez les familles à venir. Et puis, on fait des animations ludiques, parce que pour moi, la meilleure animation, c'est la pédagogie. On va applaudir pour le motiver un peu, les enfants. C'est assez compliqué, quand même, de gérer dans un parc animalier la présence du végétal et la présence animale. Compliqué, oui et non. Intéressant, plutôt. Et diversifié, ce qui est encore mieux. Mais c'est un peu tendance à tout abîmer, les animaux. Non, quand c'est pas en surnombre, c'est un peu cantonné aussi. Hein. Regarde, tout le monde est à son périmètre, donc tout est bien. Tous ces beaux arbres. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout à fait, oui. Oui, on a la chance d'avoir quand même une structure assez qui a un peu de gueule, parce qu'on a quand même un beau noyer noir d'Amérique, quelque chose, un Taxodium dissectum, qui doit avoir dans les 160, c'est dur à dire un âge d'un arbre debout. Moi, je dirais 160, 165 ans. Et donc, on a quand même une structure assez conséquente. Et après, donc, on a agrémenté avec plein d'autres petits végétaux plus jeunes, beaucoup plus jeunes, et qui vont perdurer après nous et qui donneront un peu du cachet quand nous ne serons plus là, mais que ce lieu perdurera. Vous, ce qui vous plaît, c'est l'éclectisme. Oui. Et quand les enfants viennent et qu'ils découvrent toutes ces poules ou tous ces lapins, enfin, la vertu du parc animalier, que de leur donner à voir des animaux qu'ils ne connaissent pas. Pour pas trop nombreux. Là, vous savez, on a 35 variétés de poules naines. Je crois que c'est suffisant. De manière à ce que étonner le regard, étonner le public ici. On a un circuit, on découvre. Ouais. Des tas de variétés, des tas de jardins différents, des tas de variétés de poules différentes. Tout est pensé pour le public. Comment ça vous vient ? C'était pour sauver un lieu. Moi, c'est surtout pour sauver les lieux et la tradition. Je suis un homme de tradition, puis un homme de partage, parce que quand on a la chance, il faut savoir partager. Et quand on suit sa mission, pour moi, c'est toujours une mission. Alors que vous êtes un inconnu sans nom, sans argent et autres, il faut se battre, il faut savoir aller jusqu'au bout. Mais quand on a une mission, on va jusqu'au bout de sa mission et on est guidé là-haut. Moi, je suis par inspiration, je ne parle que j'ai la foi. Donc, je crois, donc j'ai peur de personne. Le potager des princes, tout en restant un parc plaisant à la visite, a su devenir un lieu de curiosité et de connaissance. La musique et le théâtre y côtoient les surprises issues de la basse-cour, en même temps que s'y raconte la grande histoire de Chantilly. Bonjour Romaric. Bonjour Caroline. Romaric, vous êtes directeur du jardin botanique de Nantes, dans lequel il y a une incroyable collection de plantes carnivores, mais c'est une passion qui vous tient depuis que vous avez 12 ans. Bah oui, j'ai découvert ça, une première dionée, la plante qui se referme, que j'ai fait mourir, je suis un petit peu têtu. Et donc j'ai insisté, j'ai découvert qu'en France, on avait le spécialiste des plantes carnivores dans le Gers, Jean-Jacques Labat. Et du coup, depuis, effectivement, ma collection s'est étoffée à sa rencontre. Et depuis, voilà, j'en cultive depuis maintenant 25 ans. Mais pourquoi sont-elles carnivores ? Ah, ouais. Simplement parce qu'elles vivent dans la terre comme les autres plantes, mais elles vivent dans une terre très spéciale où il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, c'est la terre est détrempée. Il y a une plante très très spéciale qui s'appelle la sphaigne, qui est une sorte de mousse. Et en fait, voilà ce qu'il y a dans la sphaigne. Et vous n'avez aucune autre plante dans le monde qui fait ça, c'est-à-dire qu'elle multiplie son volume par 40 quand il y a de l'eau dedans. Mmh. Et en plus, elle émet une molécule antiseptique, donc qui détruit toute la vie qui est autour. Ce qui vient qu'on s'en servait, voilà, on mettait, quand on avait une blessure, on pouvait utiliser la sphaigne dessus. Et donc, il n'y a rien à manger dans le sol parce que la matière ne peut pas se dégrader. Et comme il n'y a rien à manger dans le sol, bah, les plantes sont obligées de se nourrir avec ce qu'il y a dans l'air. Donc, elles développent des stratégies et des formes spécifiques pour que cela puisse se faire. Voilà, c'est ça. Disons que l'azote de l'air, c'est les insectes qui passent. Et donc, elles les attirent puis les digèrent. Il y a trois grandes façons de les attraper. On va dire, il y a celles qui collent. Mm-hmm. Et on ne l'a pas là. Il y a celles qui sont comme ça, là. Voilà, c'est ça, la drosera. Non, celle qui colle, c'est vraiment, elle ne bouge pas comme ça, la petite drosera. Ça s'appelle rosée du soleil. On va dire, non, et les plantes viennent s'engluer, les insectes viennent s'engluer dedans, ils n'arrivent pas. Voilà. Il y a celle qui se referme, la dionée. Ah oui. Voilà. Hein. Ça, on la connaît tous. Voilà, la plus connue. Il y a des pièges aussi qui aspirent dans l'eau, un petit peu complexe, mais ça aspire comme ça l'insecte. Et puis, il y a les pièges qu'on dit passifs, c'est-à-dire que le piège ne bouge pas.
simplement un long tube ultra glissant. Il faut savoir que les bords sont tellement glissants qu'on a recopié ça pour faire des outils, par exemple en chirurgie, qui font que quand on trempe le bistouri, enfin on trempe le bistouri dans quelqu'un, on le sort, le sang va s'écouler d'un seul coup et va pas rester. L'outil est auto-nettoyant. Il faut imaginer que là c'est tellement glissant qu'une mouche ne tient pas. Quand on voit qu'une mouche se promène sur du verre comme elle veut, la tête à l'envers par exemple, il faut que ce soit encore plus glissant que le verre. Et en fait, c'est pas que c'est lisse. Avant, on croyait que pour être glissant, il fallait faire lisse. Non, en fait, c'est plein de petites aspérités sur lesquelles il y a de la graisse. Et en fait, la graisse, bah, du coup, c'est glissant, quoi. Comme si on avait de l'huile, comme si on mettait de l'huile sur une vitre. Et du coup, forcément, la mouche, elle dégringole au fond. Mais les formes, la forme, parce que chacune a une forme complètement différente. Alors, effectivement, il y a celle-là, donc le petit opercule qui est au-dessus. Là, il est, on va dire que c'est la plus primitive. On voit la feuille qui s'est soudée, qui s'est refermée. Et donc là, ce sont des insectes marcheurs qui vont taper dans la soudure, qui vont marcher long et qui vont tomber. On voit, ils sont même dirigés par les poils qui sont très raides vers le bas, comme ça. Donc en marchant, ils n'arrivent pas à lutter, à progresser en montant. Ça veut dire que celle-là, elle va pas se tenir droite comme non. Ça, mais comme ça. Voilà, elle est tout le temps couchée, celle-là. Ouais, d'accord. Celle-ci, pas... celle-là, c'est complètement différent. Voilà, celle-là est complètement verticale et les insectes viennent se poser sur le bord. Et on pourrait croire, un truc assez étonnant, c'est qu'en fait, la zone pour se poser est très faible. Donc ça peut attirer qu'un insecte à la fois, on pourrait dire, c'est pas très bon d'un point de vue évolution. Sauf qu'en fait, quand on observe, on voit le premier insecte qui se pose. Puis il y a un deuxième qui arrive, qui est attiré par la même bonne odeur. Et qui le pousse. Et bah du coup, les deux se battent. Et les deux se battent, et c'est là qu'il commence à perdre pied, à perdre équilibre, et vroum, il y en a un des deux qui tombe, qui bascule. Et là, il essaye de se reprendre, et c'est ultra glissant, donc il n'y arrive pas. Et en dessous, il se fait digérer. Et en gros, la plante, c'est les mêmes sucs gastriques que chez nous, c'est-à-dire que la plante va faire transformer l'intérieur de l'insecte en une sorte de potage. Elle va l'absorber, et la seule chose qui reste, c'est la carapace de l'insecte. Et finalement, ça peut produire des choses comme ça. Voilà, bah là, justement, c'est quand il y a un trop gros repas. C'est quand elle a trop mangé, elle finit par s'auto-digérer presque, elle se nécrose et donc la feuille finit par mourir parce qu'elle a tellement fait de sucs digestifs que la feuille finit par dessécher, mourir. Ce qu'il faut, si on en cultive par exemple chez soi, c'est faire juste attention aux enfants qui ne passent pas leur journée à les nourrir parce que si toutes les feuilles meurent en même temps, bah forcément la plante est morte. Voilà. Mais là, celle-là par exemple. Ouais, alors c'est parce que là, j'ai un tout petit peu exagéré en... voilà, pour regarder ce qu'il y avait dedans. Si on l'ouvre, on constate que dedans, il y a effectivement des dizaines et des dizaines d'insectes qui sont digérés. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que très majoritairement, quand j'ai ces insectes qui aiment la viande, ce sont des mouches. Ouais. Et ça, par exemple, hop, ça, c'est un petit frelon asiatique. Justement, à propos du frelon asiatique, c'est devenu un énorme souci. Et vous avez découvert qu'en fait, il était lui aussi attiré par ces plantes. Voilà, c'est ça. On a constaté, nous, parmi les 10 000 plantes qu'on a au jardin botanique, on les observe les unes après les autres. Et souvent, pour le public, en fait, quand on présente la plante carnivore, on en ouvre une en deux. Et le jardinier qui fait le plus souvent ça, il m'a dit « Romaric, souvent, il y a du frelon asiatique. » Effectivement, moi, j'ai ouvert 10 urnes. Dans 10, j'ai vu ça, il y en avait 3-4 de prix. Donc, j'ai envoyé 200 urnes à analyser au Muséum de Nantes. Et effectivement, dans toutes les urnes, il y avait des frelons. Et en tout, il y en avait 600 de prix. On s'est dit c'est intéressant, après c'est pas nous qui allons faire les recherches complémentaires, parce que nous on est jardin botanique, on cultive les plantes, on les suit, on les protège, on les et fait on connaître. On les observe et ça permet de faire passer de l'information éventuellement. Voilà, c'est ça, exactement. Le pot est percé ou pas? Alors le pot, alors celui-là c'est pour le transporter jusqu'ici, mais si on la cultive vraiment, pour une plante comme ça il faut plutôt un plus grand bac, parce qu'il y a trois choses, c'est des plantes de tourbière, il n'y a jamais d'arbre dans une tourbière, j'ai dit, tu sais. Vous le savez, bien évidemment. Pardon. Pardon. Comme vous le savez, merci. Dans une tourbière, il n'y a jamais d'arbre à cause de la sphène qui empêche tout le reste de pousser. Donc c'est une plante qui doit pousser en plein soleil, dans une détrempée. Donc plus le bac est grand, plus on peut oublier de l'arroser longtemps, sinon il faut tout s'en mode. Il faut plutôt arroser par en bas parce que les tourbières sont au bord des lacs et donc l'eau arrive par en dessous. Donc il ne faut pas l'arroser par au-dessus, ça c'est pas trop grave. Et surtout, comme il ne faut rien leur donner à manger, il faut leur donner de l'eau déminéralisée ou de l'eau de pluie. Parce que s'il y a à manger dans l'eau ou si par hasard elle était calcaire, la plante meurt en 15 jours. Indigestion. Indigestion, disons que comme elle est nourrie par les racines, elle ne fait plus de pièges. Et comme elle ne fait plus de pièges et que c'est les pièges et ses feuilles, elle ne fait plus de feuilles, donc elle est morte. Eh ben, moi j'ai appris plein de trucs. Merci Romaric. De rien. Merci beaucoup. Bah, tout de suite, c'est notre pas de panique. On retrouve Carole. Souvenez-vous, elle avait sa terrasse qui était à l'ombre avec des pierres de Volvic. Stéphane est bien sûr intervenu pour déminéraliser tout ça. Après une visite dans un joli village d'Auvergne par une chaude journée, Stéphane a retrouvé Carole qui voudrait mieux profiter de sa terrasse ombragée. Quelques explications sur le talus, le puits canadien, conduisent à un dessin où ses envies commencent à prendre forme. Voilà, je crois que là, le décor est planté. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être magnifique. Carole, Alain, merci Alain de nous avoir rejoints. Nous aurons besoin de votre aide. Je voudrais qu'on commence par faire un peu le clair là-dedans.
C'est-à-dire qu'on va enlever les sacs de gravier qui sont là, les dalles, et puis ensuite désherber derrière nous, de façon à y voir plus clair et voir à quoi ressemblent réellement ces pierres de Volvic. Moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à couper quelques-unes des branches de lilas de façon à le rafraîchir. Merci. Ensuite, nous pourrons désherber à nouveau le long de cette plate-bande et commencer à installer à la verticale nos pierres de Volvic. C'est parti ? Parfait, c'est parti. Afin d'y voir plus clair, tous commencent par défricher le coin où sont entreposées les belles dalles de pierre de Volvic. Stéphane supprime quelques branches de lilas pour dégager une plate-bande tout au long du mur qui est aussitôt labourée et nivelée. Les premières pierres sont enchâssées dans le sol afin de constituer un muret susceptible de retenir le talus. C'est volontairement qu'elles ne sont pas alignées à la même hauteur. Un voile géotextile est plaqué entre la terre et le mur. Il servira plus tard. Les premiers trous sont creusés. Les premières plantes peuvent arriver. Hop ! Je trouve que cet arbre est joli. C'est un Sophora japonica. C'est une légumineuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un arbre qui n'a pas besoin de beaucoup de fertilisants. Dans la mesure où ses feuilles synthétisent l'azote dont il a besoin à son pied, dans ce sol qui est relativement pauvre, c'est plus qu'un avantage. C'est un arbre qui a le talent de résister aux sécheresses. C'est un arbre qui fleurit, c'est très très beau, en juillet, mais ça c'est seulement quand il a 20 ans. Donc il faudra patienter. Je suis assez content parce que j'en ai assez peu planté. Et c'est pas pour rien qu'on l'a trouvé dans une jardinerie dans la région, c'est qu'il est adapté à la région et de toute façon il est rustique dans toute la France. Autour du Sophora, les plus belles dalles de pierre sont disposées pour former une sorte d'escalier, de façon à évoquer une cascade sèche. Ça, c'est zen. Au-dessous, un voile géotextile empêchera l'herbe de pousser. Les pots sont percés, les billes d'argile viennent au fond, puis par-dessus, le terreau. Au pied du talus, le géotextile est rabattu entre les plantes, puis recouvert d'une couche de gravier blanc. Toc, c'est là. Donc c'était un ligustrum de la Vaianum. Ça a la qualité d'avoir des toutes petites feuilles, de faire penser un petit peu au buis, mais ça n'est pas... Là, ici, il y a une feuille. C'est une feuille de Troène. Ouais. Bon, en fait, ces trucs-là ont été greffés sur des pieds de Troène. D'accord. Là, on a le porte-greffe. Donc faut surtout pas laisser ça pousser. Voilà. Ici, c'est pas trop au soleil, donc c'est bien, c'est juste bien. Il y a de la lumière, il n'y a pas trop de cagnards. Il faudra de temps en temps redonner un petit coup de sécateur pour conserver deux fois par an à peu près, pour garder les formes de boules. Et je te promets que d'ici un an, il sera beaucoup plus joli qu'aujourd'hui. D'accord. Les grands pots sont plantés d'hydrangea Annabelle et de Gora. Plus loin, les bulbes retrouvent leur place et sont rejoints par quelques plantes aromatiques installées à même la pente. Sous le puits canadien, les plantations reprennent. Bien, nous sommes dans un endroit incroyable. Plein soleil, plein cagnard. C'est très bien drainé avec tous ces rochers qui sont arrivés ici. Et il fallait trouver des plantes qui puissent se plaire. Donc là, c'est une variété de millepertuis qui s'appelle Calmia, avec un feuillage plus fin, des fleurs plus petites. Je trouve assez gracieux, déjà, ça dessine quelque chose. Là, Alain, tu es en train de planter un romarin ici. C'est exactement le genre de situation que cette plante va aimer. Et pour le reste, moi, je me suis dit que des plantes succulentes, ce serait formidable. Donc là, il y a des sédums. Ça, c'est un sédum spectabile pourpre. Des pourpiers, il y en a chez le voisin, donc il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas ici. Et enfin, ces sédums, c'est garanti, ils vont s'acclimater et revenir partout. Donc je pense que ce sera un peu moins triste de cette façon-là. Formidable. Ah bah tout de même. Avec le temps, il n'y a pas à douter que ces plantes à la vie dure vont s'épaissir et investir tout l'espace. Les plus petits pots accueillent des plantes à fleurs, offrant des compositions riches comme des bouquets. Elles sont posées sur les graviers, au pied du talus. Paravent arrive devant la pompe à chaleur, puis des fauteuils, pimpants et enfin quelques lanternes. Ne serait-ce pas fini? Carole, c'est fini! J'arrive! Oh là là! Alors, ça a un peu changé ici, non? Vous êtes de sacrés magiciens quand même. Hein. Ça n'a plus rien à voir là. Je crois que tu as bien cerné tout ce que je t'avais dit au départ. Cet esprit zen... que j'adore, on voit les bougies,
toutes les pierres là et le rappel des gravillons. Et à la fois, il y a tout ce côté fleuri qui me manquait ici. Et magnifique. Puis là, tu vas pouvoir te poser. Un petit coin de lecture tranquille, à l'ombre, avec aussi de quoi méditer. Finalement, il n'y aura peut-être plus besoin de livres. Carrément. Voilà. Il n'y aura qu'à observer et qu'à se laisser porter par ce magnifique jardin. Moi, je suis émerveillée par ce que vous avez fait tous là. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire ce que vous avez fait. On va se faire un bisou alors. Merci beaucoup, Carole. À tous. Merci à vous tous. Bravo. Cet endroit à l'ombre où il fait bon se tenir lors des journées de canicule est devenu plus accueillant. Le talus en friche a trouvé son histoire à raconter. Il y coule une cascade sèche derrière un arbre originaire du Japon. Le mur s'est animé d'une série de pots fleuris comme des bouquets posés sur des graviers blancs. La terrasse de Carole a complètement changé de physionomie. Le calme peut y prendre place. Des Carole. Mais heureusement, il y avait beaucoup à faire et les pierres étaient lourdes, mais le résultat me plaît beaucoup. Très joli. Alors, pour vous inscrire pour notre pas de panique, c'est sur le site internet de France 5. En pianotant France5.fr, rubrique silence, ça pousse. Et c'est le seul moyen de vous inscrire, alors n'hésitez pas. Le 15 novembre, en Ile-de-France, notamment à Vincennes, au Parc Floral. C'est Marjolaine, c'est le salon bio, 550 exposants. Il sera question d'alimentation, de tourisme et de beauté. Le 14 et le 15 novembre à Orléans. C'est la foire aux plantes, c'est la plus vieille foire aux plantes de France, c'est juste devant le théâtre. Il y aura là les meilleurs pépiniéristes du bassin orléanais. Une pépinière de tradition, nous le savons. Alors aujourd'hui, les livres, on a notamment ce livre magnifique sur les orchidées de Frédéric Potz, que tu connais, je crois. Ben oui, Frédéric. Bonjour Frédéric, directeur du Jardin botanique de Nancy. C'est aux éditions Ulmer, et alors à l'intérieur, il y a plein de photos d'orchidées. C'est incroyable, les variétés, toutes ces couleurs. Magnifique, un très très beau livre. Très belles photos, ouais. Des textes très intéressants. L'Italie des jardins, avec des photographies de César Garçon, des photographies sublimes. Un texte de Pierre Filippi qui est venu ici nous parler des voyages qu'il organise en Italie et en Angleterre. C'était... Eh oui, je m'en souviens. Il pleuvait beaucoup ce jour-là dans la serre. Voilà, c'est une manière de découvrir, mais vraiment tout en beauté, les plus beaux jardins italiens, des jardins de la Renaissance, et pas seulement, des visites qui nous racontent la beauté et la richesse de l'histoire de ces jardins italiens. Alors, qu'est-ce que nous découvrirons la semaine prochaine? Nous parlerons des sentinelles du climat, parce que vois-tu, il y a dans les alpages des personnes qui interrogent l'évolution des plantes dans ces alpages et voient de quelle manière tout ce paysage est en train d'évoluer. Et tu es allé dans les jardins de Haute-Rive, c'est joli ça. Oh, le château de Haute-Rive, c'est une espèce de promontoire comme ça qui domine les paysages de l'Auvergne. C'est sublime. Il y a là des jardins dans lesquels se promener, de fort jolis jardins ou découvrir de l'art contemporain. Et puis pour le pas de panique, tu es allé dans la région de Clermont-Ferrand où il faisait très chaud, je crois. Juste à côté, il faisait 45 degrés dans la petite cour blanche, comme cela, une sorte de four solaire dans lequel Céline voulait planter un jardin. Alors, à la semaine prochaine.